Hey, salut les potes, bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le premier jour de la PlayStation Experience, donc là il est 9h, je vais m'y rendre, dans une heure il y a la conférence, voilà, donc on a deux places réservées, donc ça c'est plutôt pas mal. Et voilà, donc là je pars de l'hôtel et puis route pour la PlayStation Experience, c'est juste à côté, on est à vraiment à, je crois, à 2 minutes à pied, donc voilà, donc ça va être assez rapide, et donc bah, je pense qu'on se retrouve directement là-bas. J'espère vraiment avoir de bonnes informations concernant Destiny aujourd'hui, donc vraiment hâte de voir la conférence, et puis ce soir j'ai 2 heures de capture, donc ça fait plaisir, à tout à l'heure. Et voilà les potes, donc on vient d'arriver au PlayStation Experience, on a fait le petit check pour le badge, et voilà, on a eu des petits goodies, je vous montrerai tout à l'heure plus tard à l'hôtel parce que je pense qu'on va en avoir d'autres, il y a des petits t-shirts, etc. Enfin bref, là on va essayer de se rendre à la conférence, on va voir s'il reste de la place, c'est un petit peu chaud. Et puis bah je vous dis à tout à l'heure. Et voilà les potes, donc on est dans la salle de conférence PlayStation. Donc hâte de voir les nouveautés qu'il va y avoir, j'espère qu'il y aura des bonnes infos concernant Destiny. Beaucoup de monde vous voyez, et bon, on va essayer de trouver une petite place avec la Miss Kairos derrière. On va essayer de trouver une bonne petite place pour être à l'aise pour assister à tout ça. Allez, ciao. What's his name anyway? Cloud Strife. And he says it's former soldier. Look, heavy security like this, you want a professional. Et voilà les potes, donc on sort juste de la conférence PlayStation, donc avec pas mal d'annonces, hein, Black Ops 3, le nouveau DLC, la nouvelle map zombie qui a l'air vraiment énorme. Au niveau de Destiny aussi, donc les courses de passereau, la bannière de fer avec les exclusivités PlayStation, ça, franchement ça fait plaisir, surtout les courses de passereau, c'est attendu depuis un bon moment depuis par la communauté. Street Fighter 5 a l'air pas mal non plus, pas mal d'autres jeux, hein, Ratchet & Clank, et vraiment pas mal d'autres jeux, Final Fantasy 7, moi j'étais vraiment fan à l'époque, je pense que je vais le reprendre, voilà. Et bah maintenant on va aller manger un peu, boire un petit coup, puis on va aller un petit peu jouer un petit peu à l'intérieur là. Il y a pas mal de monde, un petit peu d'attente, beaucoup moins quand même qu'à la Gamescom ou la Paris Games Week, donc bon, ça devrait être assez rapide. Il y a Far Cry que j'aimerais bien essayer, donc voilà, allez, je vous dis à tout à l'heure. Et voilà les potes, on est repassé vite fait à l'hôtel pour déposer les petits sacs parce qu'on a eu quelques petits goodies, donc vous voyez, je vais partager ça un petit peu avec vous, on va ouvrir, donc le petit sac, franchement il est super sympa, un sac donc à l'effigie de PlayStation. Donc là on a un poster PlayStation Experience, voilà, donc je vais l'ouvrir avec vous directement. Hop, donc voilà, comme je suis à une main, je l'ai sorti directement du tube. Hop, alors attendez, ce qu'on va faire, regardez, poser le tube là, même pas. Donc ouais, en fait c'est un poster à l'effigie de, donc on a Black Ops 3, Destiny, Uncharted, Street Fighter 5 et Star Wars Battlefront, voilà, avec PlayStation Experience en bas, hein. C'est un petit poster classique mais ça fait plaisir, voilà. Après on a ici donc un petit boîtier à construire pour mettre des cartes, parce qu'il faut savoir qu'il y a des cartes à récupérer un petit peu partout lors du PlayStation Experience, des cartes collector qui apparemment débloquent après quelque chose sur le PlayStation Store. Là on a directement une petite pub, donc c'est pour l'application du PlayStation Experience. Ici, hop, on a un petit gel en fait pour les mains, pour se nettoyer les mains évidemment, parce qu'on va jouer un petit peu, on touche un petit peu à tout. Donc voilà, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici on doit avoir un poster donc avec Street Fighter 5. Voilà, un poster je pense, on va regarder un petit peu ça. Hop, avec des joueurs pro. Bon voilà, j'ai fait plus simple, j'ai ouvert.
Vous voyez donc avec les personnages de Street Fighter V, voilà pour ceux qui sont fans, c'est toujours sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le petit bonnet PlayStation avec les logos ici. Et bah le logo hein, PlayStation, vraiment sympa un petit bonnet. Il y avait vraiment beaucoup de gens qui le portaient. Ça c'est la première carte collector que j'ai eue qui va donc dans le petit boîtier en carton que je vous montrais. Hop, ici donc on a encore un magazine, donc avec toutes les informations sur tous les jeux présents. Hein. J'ai regardé, il y a Destiny, il y a vraiment plein de jeux. Et enfin, on a un petit t-shirt PlayStation Experience. Voilà, je le déplie. Hop. Et en fait, c'est exactement le même logo que sur le poster. Vous voyez, en fait, le poster, il ressemble à ça. Et donc, PlayStation Experience 2015 avec les dates, l'endroit. Hop. Et j'étais là. Voilà. Donc, ça fait vraiment plaisir des petits goodies comme ça. Cet après-midi, on va aller essayer d'aller jouer à quelques petits jeux. Là, on va aller manger. J'aimerais bien jouer à Far Cry. Il y a Far Cry Primal qui est là. Donc, j'irais bien aller jouer. Pourquoi pas capturer. On va essayer. Enfin, voilà. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Tchuss! Et voilà les gars, donc on est au McDo. Vous voyez, il n'y a pas une grande différence en fait avec le McDo français. J'ai pris un Deluxe, il fait la même taille. Il fait la même taille exactement. Et juste un petit burrito sans plus. Il y a ça, il n'y a pas en France. Enfin voilà, c'est la même chose. Et voilà les potes, donc c'est la fin de la PlayStation Experience, c'est la fin de ma journée, ma première journée ici. Demain je pense que j'irai profiter un peu de visiter San Francisco parce que c'est vrai qu'on a fait le tour du salon assez rapidement, sachant qu'on avait déjà fait la Gamescom, Skyros avait déjà fait l'E3. Donc c'est vrai qu'on avait déjà vu pas mal de choses qui étaient présentes ici, pas mal de nouveautés même au niveau du jeu. Franchement il y a du très bon, il y a deux petits jeux qui m'intéressent vraiment, c'est For Honor et Far Cry, donc deux jeux de chez Ubisoft qui ont l'air vraiment sympathiques. Voilà, donc ce soir j'y retourne 2 heures pour capturer sur Destiny. Je vous ferai vraiment une capture de l'événement, une vidéo de l'événement Destiny à part, histoire que vous voyez bien voilà ce qui s'est passé. Je vais tout filmer, j'ai essayé de filmer vraiment un maximum de ce qui se passe ce soir. Là je vais rentrer à l'hôtel me reposer. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et à partager cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Tchuss.